J'ai dû rester. Il n'y avait personne. Rien qu'une des filles qui essayait de voler des médicaments. Bien sûr. Si vous aviez été là, tout se serait très bien passé. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? C'est une blague. Désolé. Essayez de dormir un peu. Vous êtes en sécurité, je vous le promets. Vous savez que c'est pas vrai. Tout va bien. Essayez de ne pas vous en faire. Vous êtes sûr qu'elle n'a rien dit? Rien qui puisse nous aider à la trouver? Non. C'est rien. Je serai en bas s'il vous faut quelque chose. Ce n'est pas mon problème. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Vous le savez très bien. Je sais, mais je dois découvrir qui les a tués. Ils n'auraient pas dû mourir, pour commencer. Cela pourrait provoquer de sérieux retards dans ce que je fais. C'est le travail de ma vie, vous comprenez? Et que faites-vous précisément ici? Cela ne vous regarde pas. Il semblerait que rien ne me regarde en ce moment. Faites simplement votre boulot, et surtout, occupez-vous correctement d'Erika. Correctement. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? C'est interdit. Est-ce que ça va? Il est mort. Je savais pas, j'ai rien pu faire. Il est mort. Il est mort et j'ai nulle part où aller. Quoi que j'essaie de faire, ils vont me prendre et me faire signer. Ils vont me faire l'oublier. Et... je suis désolée. Je dois y aller. Thank you.
Ella. Ils cherchent des visions de l'avenir pour la richesse et le pouvoir. Mais ils ont besoin d'un papillon pour voir. C'est pour ça qu'ils ont pris ta mère. C'est pour ça qu'ils te veulent. Elle est prisonnière, Erika. Rejoins-moi. Ensemble, nous pouvons la sauver. Non. Il ne t'aimait pas. Tu veux me rejoindre? Nous pouvons vaincre Lucien et libérer ta mère. Je veux en finir.
parlais de l'avenir. Des choses merveilleuses qu'elle seule pouvait voir. Je lui ai parlé du passé. D'une grande prêtresse, marquée d'un papillon. Pourquoi m'avez-vous amené ici ? Car c'est ici que tout a commencé. Ton père l'a fait. Il l'a essayé sur ta mère. Il l'a essayé sur toi aussi. Respire-le et je pourrai te faire faire ce que je veux. C'est comme ça qu'il nous a lavé le cerveau, fait de nous ses esclaves. Voici un petit cadeau de bienvenue. Du parfum. Je préfère les lapins. C'est mes préférés. Ce laurier rose à la mémoire de ta mère. C'était ses favoris. Je fais des rêves bizarres. Des pétales roses qui tombent autour de moi. J'apporte ça au docteur Ballard. On fait du parfum. Dans cette lampe, Erika. Que crois-tu que ça t'a fait? Je suis mourante. Vous le méritez. Oui. En effet. Mais tes amies sont innocentes. Et ta mère aussi. Ta mère avait cette marque. C'est pour ça que ton père la voulait. C'est pour ça qu'il te veut. Une fille qui regarde dans les flammes et voit le futur. Vous êtes folle. Et tu es aveugle. Il était l'un d'entre eux. Regarde toi-même. Père a convaincu Lucien qu'en ajoutant la science au rituel, il pouvait voir le futur et le contrôler. Ta mère était la pièce manquante. Ta mère est en vie, mais elle s'affaiblit. Sans elle, ils sont aveugles.